Salut coulisses, bienvenue sur notre channel YouTube Bishop Dontelis. Abonnez, likez, commentez, ça fait plaisir. Continuez soutien channel YouTube Bishop Dontelis. Actualité FC Barcelone tous les jours. Conférence de presse, Xavi Hernandez, entraîneur FC Barcelone aujourd'hui. Avant match, Real Sociedad Barça. Deuxième journée, Liga Santander. Xavi commence. Nous sommes dans l'élite du football et ça ne va pas être facile. Nous devons porter les drapeaux de l'immunité. Mais le jour du Rayo, nous méritons de gagner. Nous avons dominé, mais nous n'avons pas eu de chance. C'était dommage car nous avons joué un bon match correct. Concernant Aubameyang, Xavi répond. Aubameyang, il y a les mercato et nous ne savons pas ce qui va se passer. Il y a des opportunités de départ et d'arrivée. Mais maintenant, c'est notre jouet. Il est important, mais les circonstances nous le diront. Xavi, il y a plusieurs joueurs qui peuvent remplacer Busquets concernant la suspension Busquets. Demain, nous avons de la variété dans l'équipe. Et bien que je sois assez clair, demain, nous finirons par décider. Pour le moment, concernant Memphis Depay et Aubameyang, Xavi répond. Pour le moment, ni Oba ni Memphis ne sont pas partis. S'il y a une offre pour l'un d'entre eux, nous verrons comment l'équipe se présentera. Mais la priorité est d'inscrit Jules Koundé et nous attendons demain. Ferland Torres, Xavi répond parce qu'il a titularisé et il n'a pas joué aucune minute pendant tous les matchs de pré-saison et première journée. Xavi répond, c'est très très bien entraîné concernant Ferland Torres. Il est à son meilleur niveau et il doit être une pièce fondamentale pour nous. Le malin est qu'il n'a pas encore pu jouer, mais il participera ceci demain. Toutes les personnes connaissent Ferland Torres et Xavi. Xavi, c'est clair que nous devons renforcer l'équipe. Les clubs le savent et nous travaillons. Concernant des arrivées, latéral gauche, Bernardo Silva, latéral droit, toute actualité. Xavi sur Baldé. Je compte sur Baldé. Il a fait une excellente pré-saison. Il était en compétition et en concurrence avec Jordi Alba. Et c'est un joueur d'avenir. Nous verrons si nous renforcerons. Mais c'est un joueur que nous comptons sur lui. Et c'est un joueur d'avenir. Concernant Memphis Depay, selon Dimaggio, les avocats de Memphis Depay sont en Italie pour discuter avec la Juventus sur cet avenir de Memphis Depay. Frankie de Jong, Xavi Hernandez, très 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 important. Frankie de Jong me rappelle moi-même Xavi. Il était un joueur spectaculaire, bon comme intérieur et comme pivot. C'est que des changements. Concernant la situation Pablo Tolé, Xavi répond. Peut-être que nous ferons un prêt pour Pablo Tolé. Concernant le latéral droit, tu avais justifié que Dess n'est pas au niveau ou en plan pour Xavi. Nous voulons signer Azpilicueta et ce n'était pas facile, ce n'était pas possible. Il faudra voir ce que nous ferons. Nous avons des joueurs
qui peuvent s'adapter à ces postes, dès vous connaissez la situation. C'est que Dess n'est pas au plan de Xavi. Concernant Jules Koundé au poste de latéral droit, Xavi répond au journaliste qui pose la question. J'ai préféré Jules Koundé au central. J'ai préféré Koundé comme central. Xavi compte sur Jules Koundé comme central pour accompagner avec Alaoudjo, maître défense. Concernant Umtiti, c'est une grand excellente nouvelle pour nous les coulisses. Umtiti sera officiellement prêté cette semaine. Umtiti, Barça, sur le point de conclure un accord avec l'Elche, un club d'Italie, sur le prêt de Umtiti. Le Barça a un accord avec Memphis Depay pour son départ. Il manque l'accord Memphis à Juventus, confirmé Fabrizio Romano. Abonnez, partagez, likez, soutenez ma chaîne, please. Merci. Demain, après match, Real Sociedad, Barça, nous parlons les matchs. Ensemble, tous les coulisses. Visca Barça, Visca Catalunya.